Salut à tous, c'est Camitrax, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, un nouveau tour de magie expliqué, un super tour que vous allez découvrir dans cette vidéo. Un tour de magie avec seulement 13 cartes. Et ce tour de magie, c'est vraiment un tour de magie démoniaque. Pourquoi il est démoniaque? Car déjà, il n'y a pas beaucoup de personnes qui le connaissent, il n'est pas très connu. Et ça, c'est super cool. Et surtout, il demande zéro compétence en manipulation. Et ça, c'est vraiment incroyable. Si vous débutez dans la magie, vous pouvez directement commencer par ce tour de magie. Donc, dans un premier temps, je vais vous faire la démonstration du tour de magie qui se fait avec 13 cartes et ensuite les explications. C'est parti pour la démo. Pour la démo de ce tour, on aura besoin de 13 cartes comme je vous l'ai dit. J'ai choisi moi les cartes de l'As au Roi de Pique pour que vous vous repériez bien. Voilà dans les cartes, de l'As au Roi de Pique. Et pour être sûr qu'il y en a bien 13. Voilà, de l'As au Roi de Pique. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir donc couper les cartes, voilà, pour être sûr qu'il n'y a aucune ambiguïté, aucun quiproquo avec le spectateur. Ok, on peut mélanger les cartes, voilà, c'est un petit mélange, mais il est plutôt efficace. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va demander au spectateur de choisir un chiffre entre 1 et 13. Normalement, je ne connais pas ce chiffre, ils le disent dans la tête, mais là, comme j'ai pas le spectateur, bah, on va choisir un chiffre ensemble. Imaginons le chiffre, allez, 7. Ok, vraiment un chiffre totalement au hasard. Donc moi, normalement, je vous rassure, je ne connais pas ce chiffre. Et je me tourne. Et je vais expliquer au spectateur qu'il va devoir mettre le nombre de cartes qu'il a choisi, le nombre qu'il a choisi, ça va être son nombre de cartes qu'il va placer sur le dessus. Donc moi c'est 7, du coup normalement je me retourne, il met son nombre de cartes, ok, là 7, 3, 4, 5, 6, 7, voilà, et là je reviens sur le tapis, il me redonne le jeu de cartes, et je vous assure que normalement je ne connais pas son nombre de cartes. Et là, juste comme ça, normalement, je ne connais pas le chiffre 7, hein, je vous le rappelle. Je peux arriver à prendre une carte, voilà, comme ceci, imaginons celle-ci, au hasard. Et c'est 7, exactement, le nombre de cartes qu'il a choisi. Normalement, je ne connais pas le nombre de cartes qu'il a choisi. Et cette carte, c'est la carte pile du nombre de cartes qu'il a choisi. C'était le tour de magie, on passe tout de suite aux explications. Pour les explications de ce tour de magie, comme je vous l'ai dit, vous aurez besoin de 13 cartes. Donc là, vraiment, on ne triche pas sur le nombre de cartes, sur les cartes, vraiment. Tout est examinable de toute façon. Donc voilà, vous prenez des cartes normales, de l'As au Roi. Voilà, vous pouvez prendre deux piques, de cœur, de trèfle, de carreau. Vous pouvez prendre vraiment n'importe quel signe de carte, celui qui vous plaît le plus. Moi, j'ai pris pique, mais vraiment, vous pouvez prendre n'importe lequel. Et ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous arrivez sur la table et vous pouvez directement commencer votre tour de magie. Donc, bien sûr, vous n'allez pas devoir faire mélanger votre jeu de cartes au spectateur, c'est très important, sinon tout le tour sera gâché. Mais vous allez donner l'impression au spectateur que le jeu de cartes est mélangé. Tout d'abord, vous allez couper les cartes. Voilà, ça c'est une première chose qui fait que le spectateur pense vraiment qu'il est mélangé. Et après, vous allez mélanger comme ça les cartes. Mais en fait, ça ne mélange pas vraiment les cartes, cette manipulation, ça coupe juste le jeu de cartes. Parce que regardez bien, on prend quelques cartes, on les met en dessous. On a coupé, on prend quelques cartes, après on les met au-dessus, on a aussi coupé. Donc au final, ça ne mélange strictement pas l'ordre des cartes, c'est juste l'As qui n'est plus au début, mais sinon on a bien As, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, valet, dame, roi. Voilà, on peut refaire ce petit mélange, on met au-dessus, hop, et là on a toujours le même ordre. Donc ça va être ce mélange qui va donner à l'impression au spectateur qu'on mélange vraiment les cartes alors qu'on coupe juste les cartes. Donc comment faire ce mélange? Vous prenez quelques cartes au-dessus tout d'abord que vous placez en dessous. Quelques cartes en dessous que vous placez au-dessus. Au-dessus, en dessous. En dessous, au-dessus. Au-dessus, en dessous, etc. etc. Voilà, c'est un mélange vraiment très simple. Ensuite, ce que vous allez devoir faire, c'est que vous allez devoir prendre connaissance de la dernière carte. Ici, en l'occurrence, le 8 de pique. Donc ce que vous pouvez faire, ce que je fais à chaque fois, c'est que je prends comme ceci le jeu de cartes et je le pivote comme ceci. Et là, hop, on peut regarder le 8 de pique. Juste comme ça, très rapidement, voilà, d'une manière nonchalante. Hop, vous regardez le 8 de pique. Et maintenant, vous retenez bien le 8 de pique. Voilà. Donc je vous montre, on est en position de la donne. On vient comme ceci, en biddle. On tourne le jeu. Et là, on lève un petit peu. Et on regarde le 8 de pique. Et maintenant, on sait que la dernière carte, donc c'est le 8 de pique. Bien sûr, vous, ça peut être n'importe quelle carte. Et moi, c'est le 8 de pique. Donc, on retient bien le 8 de pique. On retient que le chiffre, ça va être que le chiffre qui va nous être utile. Que le chiffre 8. Que retenir le chiffre 8. Après, bah, là, il n'y a pas de triche non plus. Vraiment, le spectateur choisit un chiffre de 1 à 13. Pas plus, vraiment pas plus que 13. Vraiment celui qui le désire, voilà. Imaginons le chiffre 4, voilà, vraiment au hasard. Je me retourne, normalement je ne connais pas le chiffre qu'il a choisi.
le spectateur met 4 cartes sur le dessus, voilà, comme ceci. Et en fait, automatiquement, d'une manière automatique, eh bien, le nombre de cartes qu'il aura choisi correspondra à la 8e carte, donc la carte que vous avez retenue. Moi, tout à l'heure, je vous le rappelle bien, j'avais retenu le 8 de pique, la carte qui était en dessous. Donc, le nombre de cartes qu'il aura choisi, ce sera la 8e carte, en partant du début de l'éventail, comme ceci. Imaginons, vous avez regardé ici, c'était un 5 de pique, il fait le nombre de cartes qu'il me désire. Eh bien, la carte qui correspondra à son nombre, ce sera la 5e carte. Donc, moi, en l'occurrence, comme c'était le 8 de pique, c'est 8 cartes. Du coup, je vais compter vraiment dans ma tête 8 cartes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et la 8e, ce sera normalement exactement le nombre de cartes que le spectateur a choisi. En l'occurrence, 4. Donc voilà, c'est vraiment un tour de magie 100% automatique. Et on va tout de suite revoir tous les détails de la routine. Donc vous arrivez, vous présentez votre jeu de cartes. 13 cartes, vous pouvez couper les cartes, voilà, mélanger les cartes, voilà, hop, comme ceci, bien sûr, comme je vous l'ai déjà dit, c'est du pipeau, voilà, hop, vous pouvez mélanger les cartes. Ensuite, le spectateur va choisir, en fait, ici, un nombre de cartes au hasard, voilà, imaginons le nombre 8, voilà, vraiment au hasard, je me retourne et normalement, je ne connais pas ce nombre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, voilà, je reviens, il me redonne le jeu de cartes, je ne connais pas le chiffre 8, je prends ici, comme vous l'avez vu, c'était le valet de pique qui était en dessous, qui était en dessous, du coup je compte 11 cartes, comme le valet correspond à 11, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, bien sûr, tout ça c'est dans ma tête, voilà, que ça se passe, je prends donc la carte, c'est la 11e, et normalement ça correspond exactement, c'est bien le 8, exactement le nombre de cartes que le spectateur a placé sur le dessus. Donc voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Vraiment, ce tour de magie est démoniaque car il ne nécessite aucune connaissance en cartomagie, en manipulation de cartes, vraiment il est super simple à faire. Donc voilà, n'hésitez pas à le faire vraiment partout car il y a un très bon impact sur le spectateur. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, n'oubliez pas, une vidéo le mercredi, le dimanche à 16h et exceptionnellement pendant les vacances, une vidéo du lundi au vendredi à 16h. N'oubliez pas également de mettre votre plus gros pouce bleu, de vous abonner, activer la cloche des notifications, c'est très important pour recevoir toutes les notifications quand je sors de prochaines vidéos. N'oubliez pas également de commenter, c'est très important pour me donner votre avis. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos, c'était Camille Trax, allez, salut !